Et salut! Eh bien écoute, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine, enfin un coin de ma cuisine. Une petite recette toute simple que je vais te présenter. Alors avec des ingrédients, mais alors que tu as dans ton frigo. Mais tu vas les déguster d'une façon différente. Pour ça, tu vas avoir besoin de 250 g ou 300 g de fromage blanc. Hein, si tu prends des petits pots, 200 g, et ben écoute, t'embête pas, t'en mets 3. Tu vas avoir besoin de 100 g de sucre glace. Tu vas avoir besoin de 50 g de copeaux de chocolat. Alors, je me suis amusée à râper mon chocolat. Et tu auras besoin de 4 blancs en neige. Et la recette? C'est tout simple, c'est comment préparer une crème stracciatella. Alors, bon, moi j'ai le Momo, mais alors je t'assure, ça tu le fais, même si, enfin, cette recette-là, tu l'as fait, même si tu n'as pas Momo à la maison. Alors, ça, tu t'embêtes pas, tu vas quand même pas acheter le truc juste pour préparer une crème stracciatella, ça serait vraiment dommage. Quoique non, parce qu'au final, ça pourrait te servir pour plein d'autres trucs. Alors, si tu l'as, c'est parfait, sinon tu te bêtes pas, hein, tu fais ça dans un saladier avec ton fouet et ça ira très très bien. Donc dans ton bol, tac, tu mets ton fromage blanc. Alors mon mari a pris des petits pots, mais tu prends sinon le gros pot d'un kilo et ça va très bien. Comme ça au moins, tu peux faire vraiment tes 250 grammes. Des pots individuels, eh ben, c'est des pots de 100 grammes, donc on ne va pas s'embêter. Je ne vais pas m'embêter à chercher 50 grammes. Je vais mettre les trois pots et ça ira très très bien. C'est vrai que c'est carrément plus pratique que ce soit un grand pot d'un kilo. T'es pas obligé de racler le fond. Hop. Alors, tiens, bon, j'en profite. Hein. Je me suis dit, pourquoi pas rajouter dans la playlist une catégorie dans ma cuisine. Donc de temps en temps, parce que je te rappelle que moi la semaine, je ne suis pas à la maison, enfin je rentre tard, donc c'est mon mari qui fait la cuisine, et moi je m'en occupe que le week-end. Donc je me suis dit, why not? Pourquoi pas, hein, pour ceux qui ne parlent pas du tout anglais, pourquoi pas te rajouter une petite catégorie. Alors, c'est à la maison, c'est à la bonne franquette, hein, que je t'explique un truc. Si tu veux des recettes... de chef étoilé, va falloir que tu changes juste de chaîne. Tu trouveras pas ça là. Hein. Là, parce que là, ici, je t'ai dit, hein, on se prend pas la tête. Tu rajoutes tes 100 grammes. Hop là. Préalablement pesé, bien sûr. Tu rajoutes donc tes 100 grammes de sucre glace dans ton bol. Alors, ensuite, on ferme. Là. On va bien évidemment éviter d'en mettre partout. Je vais mettre le petit gobelet. Et puis là, on va programmer. On va faire ça vite. On va mettre 15 secondes. Allez, on va mettre vitesse 3, histoire de dire. Ah bah ça fait pas trop de bruit. Alors, les copeaux. Alors, soit tu les achètes tout prêts. Ou alors, eh bien, écoute, tu fais comme moi, tu prends ta tablette de chocolat, t'arrapes et clac, 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 clac. Et tu râpes. C'est très long. Mais bon, il y a 50 grammes, hein, ça c'est vite. Voilà, hop. Ton fromage blanc est mélangé à ton sucre. Alors, moi, les blancs en neige, quand tu as le moment, tu peux les faire hein, dans ton bol. Mais voilà, le bol, il faut qu'il soit bien sec, bien propre et tout. En gros, il faut le faire en premier. Mais moi, je préfère en fait la texture avec mon fouet. En fait, je prends mon fouet, tu sais, le fouet clac-clac, là, tu sais, le fouet, quoi. Je le fais toujours à part. Hop, et je rajoute. Donc, voilà, tu sais hein, que tes blancs en neige sont bien quand ils tombent pas. Et bien, en effet, ils ne tombent pas. Alors, hop, on va leur filer un petit coup de main. Voilà. Et par contre, là... Autant je vais trouver plein de qualités au Momo que malheureusement pour les blancs en neige, je n'arrive pas de toute façon
à ce qu'ils aient voilà, cette texture là, le fait qu'ils collent bien au bol à l'ancienne avec le fouet, et ça va très bien. Ensuite tu mets le tout 20 secondes vitesse 3 et tout se mélange. Alors normalement les copeaux il faut les mettre à l'intérieur. Alors écoute, moi il est 10h26. C'est pour un des desserts qu'on va mettre pour ce midi, parce qu'on a des potes qui viennent manger à la maison. Donc j'ai un peu peur en fait que mes copeaux ramollissent. Donc je les mettrai au dernier moment. Mais voilà, comme il faut que ça soit servi très frais, je vais mettre la crème tout de suite en fait dans le frigo. Mes copeaux sont prêts, je les mettrai vraiment au dernier moment, parce que j'ai vraiment peur en fait que ça ramollisse. Donc je vais quand même le mettre, mon bol, je vais le mettre au frigo. Comme ça mes copeaux ils vont redurcir un petit peu, parce que je t'avoue j'ai un peu malmené la tablette de chocolat. Il fait un peu chaud quand même à la maison. Le temps de râper, bah voilà, la tablette commence un petit peu à se ramollir. Donc je vais juste faire en sorte que bah, ils prennent pas encore un petit coup de chaud. Donc ça je vais les mettre au frigo dans mon petit bol en alu, comme ça va être bien frais. Ma crème, elle est prête. Voilà. Et ben j'aurai juste après moi au niveau de la présentation à mettre ça du coup dans des petits ramequins, et puis ben, les petits copeaux par-dessus. Voilà. Alors que tu peux mélanger, moi je vais les parsemer par-dessus. J'essaierai de te prendre une petite photo que je te mettrai, bah, je sais pas, alors là, ou bah, quelque part en fait par là. Voilà, donc écoute, un petit dessert tout simple, rapide. T'as vu, 3 secondes c'est fait. Hein. Et puis on se prend pas la tête, et puis en plus toi c'est super bon. Alors par contre je vais te montrer un autre truc, parce que on n'a pas mangé que le dessert. Alors attends, bouge pas, j'arrive. Voilà, alors ça c'est le deuxième dessert. Donc ça c'est mon mari, hein, parce que moi je suis nulle en pâtisserie. Alors moi je fais le salé, mon mari fait le sucré. Un flan pâtissier au chocolat, parce que je n'aime pas les flans pâtissier nature. Je trouve ça vraiment pas bon. Et alors au chocolat, bah voilà, c'est génial. Donc si tu veux, j'essaierai de le faire avec mon mari en vidéo. Ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que t'en penses. Si tu veux un petit... tu me le mets en commentaire, comme ça au moins bah, ça peut se faire éventuellement. Hop là. Eh bien écoute, je te souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.